futur. Ça cultive les enfants. Et puis, ça nous nourrit d'esprit. C'est une nourriture spirituelle pour nous, les enfants de Bamendjou. Merci d'être venu. À l'occasion du Chopin, j'ai constaté que non seulement le panel des artistes était très fourni, mais le répertoire était tellement alléchant. Pour preuve, moi, je suis rentré hier me coucher après minuit. La population de Bamendjou, c'est de continuer à soutenir leur chef au cours de toutes ces actions, parce que c'est pour le devenir de Bamendjou et pour leur avenir. Merci. Merci. Vous êtes en direct du complexe Étincelle Photo en vidéo numérique. Que retenir de ce festival Chopin 2007? Oui, en fait, demander ce que je retiens, ce serait trop dire. C'est beaucoup de choses. Parce que, en fait, c'est première journée culturelle, Bamendjou, Chopin. Vraiment, je pense que pour NSS, ça a été un coup de maître. Et tout ce que je souhaiterais, que Dieu nous garde, nous donne longue vie. Et que les années prochaines, les prochains festivals Chopin de 2009 puissent être une plus grande réussite. Si d'autres peuvent encore suivre d'autres villages pour que les coutumes bamlékées, que ça ne s'éteigne pas, que ça aille de l'avant. C'était une réussite totale. Une réussite totale, merci beaucoup. Mais on est heureux que le festival se poursuive du côté de Bamendjou et on espère donc que ce n'est qu'une série qui va se poursuivre dans d'autres chefferies à l'ouest et pour faire revivre, n'est-ce pas, nos traditions. On a besoin de cette culture pour vivre, pour nous identifier, comme on dit, quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. De drogue. De drogue, hein. Bon, merci. La fête s'est très bien passée. Aucun problème, il n'y a pas plu. On est content. On est très fiers, on est ému. Et un garçon digne, et un beau père pour moi, un grand frère. Voilà, parce que c'est un monsieur, n'est-ce pas, qui a choisi, n'est-ce pas, de manger, n'est-ce pas, qu'à la sueur de son front. C'est un monsieur qui fouille le sol. Un grand travailleur, comme moi. Merci. Oui, disons que ça a été une très grande fête, une très grande réussite. Surtout pour le coup d'envoi donné cette fois-ci par Sa Majesté le Fort de Bamendjou. Et vraiment, tout s'est bien passé. Nous espérons que nous serons bien améliorés pour les futures années. Je crois que l'essentiel a été fait. Et bravo à l'initiateur et grand coup de chapeau à tous ceux qui ont participé pour l'aboutissement de cet événement. Vraiment, nous sommes déplacés parce que c'est notre beau frère. Hein? Ça, c'est notre sœur. Bon, nous sommes très heureux d'être dans le palace royal de Bamendjou pour notre beau frère qui nous a invités. Bon, ça c'est le comité nigérien. C'est moi le président du comité de Nigérian ici à Babsam. Voilà. My impressions are good. We have seen that His Royal Highness, the Fond of Bamendjou, is a rallying force. You can see that people have come all the way from Yaoundé, from the northwest, from Nigeria for this occasion. So it's a rallying force. The occasion has been a wonderful success. C'était très bien et très joli.
Et je trouve que c'est important qu'au niveau culturel, les traditions restent. Voilà. Merci d'être venu. Il a travaillé la prison avec moi ensemble. Hein? Vous ne le connaissez pas, vous êtes. Ça, c'était en 1958. On était pas né. Voilà. Or, c'était un vrai chef d'armée qui est un chef du sang. Sans même lui-même, on m'aurait tué en prison. Écoutez très bien. La relation que nous avons depuis d'accord. Alors, à cause de Fondanti, on lui avait condamné à mort. Voilà. Et le jour qu'on devait l'exécuter à Cham, il me regarde comme ça et dit, mon fils, c'est parce que tu as pitié de moi que tu ne veux pas me dire la vérité. Je dis, quoi, papa? Il dit que tu ne sais pas que je sais qu'on va m'exécuter aujourd'hui. Je dis, toi-même, tu sais? Il dit, oui. Il rit. Après, il me dit que c'est quand tu verras une balle sous ma tête qu'il faut accepter. Et justement, quand on était allé au stade, à Cham, on implante, les autorités arrivent, tout le monde, on amène le secret pour venir le chercher en prison, exécuter, tout le monde abandonne et ils ont fui. Majesté. Pendant qu'on fuyait toute la journée à Cham, on a passé à tirer. Majesté, je vous coupe la parole. Quand on parle de Cham, ça veut dire que dans le temps, le Cameroun était plutôt basé à la région de l'Ouest. La région de l'Ouest. Donc comprenez très bien. Alors, pendant qu'on tirait Boubou, il était sur l'ongle des pieds, ongé. Puis, ça y est, ça l'amusait. Voilà, c'était donc un homme puissant. J'avais rencontré son fils une fois à Bafang et je lui avais dit qu'il faut qu'il me rende de temps en temps visite. Mais comme la politique a tout détruit dans le pays, on nous crée la folie. Voilà. Et on ne respecte plus rien. Calais! Mais vous les enfants, vous aviez vu. Désormais,